Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du mardi 17 mars 2020, 10h44, heure du Québec, dans, et oui, vraiment dans une période des plus difficiles hein, pour tout le monde, vraiment, ce que réserve l'avenir. En tout cas, c'est pas rose. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas encore, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, comme par exemple celui-là qui m'est envoyé par un ami personnel que je vous partage et qui concerne les changements climatiques, qui concerne hein, le débat entre est-ce que c'est anthropique ou non, est-ce que c'est cyclique ou non, est-ce que c'est la distance entre le Soleil et la Terre, l'inclinaison, est-ce que c'est ce qu'on appelle, tout le monde ou presque a entendu parler des cycles de Milankovitch. Est-ce que c'était un petit peu de tout, probablement? Et il n'y a pas une explication, mais il y a sûrement plusieurs explications pour expliquer ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, mais je vous partage cette histoire-là. C'est quelqu'un qui a publié dans une revue importante une théorie que, par la suite, quand les scientifiques se sont élevés contre cette théorie-là, on a décidé de rétracter, d'enlever cet article-là. Et ça va comme suit. Récemment, un journal scientifique majeur a rétracté une étude qui concluait que le réchauffement du climat n'était pas dû aux activités humaines, mais au soleil. En effet, le papier paru en juin 2019 présentait plusieurs défauts, en particulier une hypothèse erronée qui rendait caduque la conclusion avancée par les auteurs. La communauté scientifique présente une position consensuelle dûment travaillée quant à l'origine du réchauffement observé sur Terre depuis le début de la révolution industrielle. En effet, il est désormais bien établi que la cause principale est le rejet croissant de gaz à effet de serre par les activités humaines. Or, en juin dernier, un papier surprenant dirigé par la physicienne Valentina Zarkova paraissait dans la prestigieuse revue Scientific Reports. Celui-ci concluait que le réchauffement récent, on parle de l'article, n'avait en réalité peu ou pas à voir avec les émissions anthropiques, c'est-à-dire d'origine humaine. Au contraire, la raison essentielle serait à chercher dans une diminution de la distance entre la Terre et le Soleil. Pour justifier cette hypothèse, les auteurs ont mis en avant le fait que le Soleil tend à osciller autour du barycentre du système solaire, le centre de masse, et ce, sous l'effet des grosses planètes comme Jupiter ou Saturne. On parle à ce titre de mouvement solaire inertiel. Selon les chercheurs, ce déplacement aurait conduit l'astre à se rapprocher de la Terre d'environ 3 millions de kilomètres au cours des dernières centaines d'années, assez pour initier un réchauffement rapide à l'échelle séculaire. Une conclusion totalement en contre-courant de la position consensuelle évoquée plus haut. La communauté des chercheurs impliqués dans l'étude du système climatique aurait-elle oublié de tenir compte de ce facteur? En réalité, il s'est avéré que l'étude de Zarkova et Hall reposait sur une hypothèse erronée, selon les scientifiques. Plus précisément, la Terre ne tourne pas autour du barycentre du système solaire, mais essentiellement autour du Soleil lui-même. De fait que bien même ce dernier subit des oscillations inertielles, la distance entre les deux ne change pratiquement pas. La présence de cette erreur et d'autres dans le papier a suscité de nombreuses critiques de la part du monde académique, à tel point qu'après avoir opéré une nouvelle relecture, la revue Scientific Reports a pris la décision de rétracter l'étude. Enfin, notons que des changements dans l'orbite ou l'orientation de la Terre par rapport au Soleil se produisent bel et bien. Ce sont les fameux cycles de Milankovitch, toutefois. Les mécanismes et les échelles de temps impliquées sont différents pour ces raisons. S'ils induisent des fluctuations climatiques à l'échelle de la dizaine ou centaine de milliers d'années, ces cycles ne sont pas en mesure d'expliquer l'évolution constatée depuis environ un siècle. Donc, c'est ça que ça donne. Il n'y a pas beaucoup vraiment de... C'est pas vraiment développé comme article. Il n'y a pas beaucoup de détails. Hein. C'est vraiment juste qu'on vient... rétracter et se... distancier de l'étude qu'on avait partagée. Et honnêtement, ça vient absolument expliquer absolument rien du tout. C'est juste qu'on vient vous dire que peu importe ce que certains scientifiques disent ou plusieurs scientifiques disent, il faut nous écouter. C'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables d'un réchauffement qui n'est pas vraiment là,
puis qu'on attend encore, mais enfin, que voulez-vous? On ne peut rien y faire. C'est ça, la bataille des médias.